comme ceci. Compliqué quand même. Ah, c'est très compliqué. Ok, ok. Oh, 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 oh. Attends. Oui, oui. Aïe, oh, t'es presque. Oh, là, on est presque sur quelque chose qui va tomber là, Boucan. Les amis, aujourd'hui on va voir si on peut avoir des produits gratuits dans un distributeur à l'aide d'un mètre, les amis. Il y a souvent des techniques sur internet qui montrent comme quoi quand on passe le mètre dans la machine, on peut faire tomber des produits. Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Yo Team Pika, j'espère que vous avez bien les petits potes. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va faire ce fameux test, les amis. On avait déjà fait le test avec la pièce et ça a failli m'envoyer en prison. Voilà, parce que c'était pas mon distributeur. Je l'avais fait dans la rue et j'étais au tribunal. Mais aujourd'hui, j'ai mes propres distributeurs, j'ai mon local, j'ai un mètre et on va voir si on peut avoir des produits gratuits. Toi, Boucan, est-ce que tu as déjà essayé de arnaquer un jour un distributeur? Oui. Non, comment tu as fait? Coup de pied. Quoi? Ah ouais. Banni. Mettez un like, les amis, si vous aussi vous avez déjà essayé un jour de trouver une technique pour avoir un objet gratuit dans un distributeur. Moi, j'ai toujours essayé, j'ai réussi une fois, mais comme je vous dis, ça m'a coûté presque la prison. Aujourd'hui, je veux voir si on peut essayer d'avoir des produits avec un mètre, les amis. J'ai souvent vu des vidéos, des techniques où en fait les gars ils prennent des mètres, ils les mettent dedans et ils essaient en fait de faire tomber le produit, tu vois. C'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on a des distributeurs, un peu plus récent et un vieux, regardez, qui est plus ici. Et celui-là en plus, il a des produit. Celui-là est un petit peu plus vieux, il n'a pas de trappe anti-vol. Qu'est-ce que c'est que la trappe anti-vol? Est-ce que tu sais ce que c'est, Boucan? Si. C'est quoi? C'est le truc métallique qui est en dessous de ça là. Oui et non. Ah. En fait, la trappe anti-vol, c'est quand tu pousses le... ça là en fait. Normalement, t'as une deuxième trappe qui s'ouvre en même temps pour éviter qu'il y ait des voleurs comme moi qui mettent un mètre à l'intérieur et pour avoir des produits en fait. Donc celle-là n'a pas de trappe, celle qui est là-bas a une trappe. Donc on va essayer de voir c'est lequel le plus facile des deux et on va voir déjà si ça marche. En tout cas, likez, je compte sur vous, commentez pour me dire si vous avez une technique pour hacker un distributeur. Et abonnez-vous, je compte sur vous, abonnez-vous pour avoir plus de vidéos et dites-moi si vous connaissez notre technique et qu'on essaye de la reproduire. Voilà, donc abonnez-vous pour rien louper. Bon, Boucan, qu'est-ce que je te sers? Allez, un Red Bull. On a des choix, on a beaucoup de produits. L'étagère du bas, c'est des canettes. Moi, je pense qu'on aura peut-être un peu plus de chance avec les friandises. Après, là-haut, c'est vraiment un peu trop haut, tu vois. Ouais. Faut tenter un petit peu les trucs du bas, mais vas-y, je vais essayer une Red Bull, voir si ça marche. Pas sûr, hein. Pas sûr aussi, c'est pas sûr. J'ai mon mètre, voilà, c'est pas non plus un très gros mètre, mais on va voir si ça fonctionne. Bon, ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Pas bien. Pas le faire. Bon, est-ce que tu es prêt? Allez, vas-y. Déjà, la première technique, ce serait de prendre le mètre, de le rentrer et de le casser pour qu'il soit en l'air. Comme ça, à chaque fois qu'on va pousser, il va monter tout seul. Ah. Eh oui. Donc, on va essayer de faire ça. On vient comme ça. On met le mètre à l'intérieur. Comme ceci. Compliqué, hein, quand même. Ah, c'est très compliqué. Ok, ok, ok. Il est dedans? Ah. Il est dedans, mais il part un peu en couille. Mais c'est dur quand même de voler ça. Tu mets du temps. Oh, j'arrive à passer comme ça là. Oh, les amis! Je suis à l'intérieur du distributeur. Est-ce que tu vois bien mon mètre? Oh oui, oui, je vois, je... Ok. Bon, ok, là, on est là. Toi, tu voudrais une Red Bull, ok, c'est ça? C'est ça, ouais. Oh, 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 oh. Attends. Oula. Ok. Bon, bien sûr, ça serait impossible, les amis, que j'arrive à passer ma main. Parce que vous voyez que, regarde, j'arrive même pas à passer un doigt, tu vois, c'est pas possible. Que je vais réussir à t'avoir ta Red Bull. Allez, 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 pousse, pousse, pousse. Compliqué, hein. Ah, c'est dur. Allez. Allez, 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 allez. Oh. Est-ce que tu penses que je vais y arriver? Oui, oui, vas-y, tu peux. Ouais, 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 ouais. Oh, non. Oh. Attends, je vais essayer un truc un petit peu plus haut, tu vois, un truc un peu plus facile. Le truc, c'est que ça me fait mal à la main, là, tu vois, j'ai mal à la main. Ok, bon. Attends, ici, je pousse. Oh. Ah ouais, oh, j'ai vu une technique. Pousser le petit support en fer là. Attends, c'est un travail de chirurgien là. Oh, tu mets du temps en vrai. Eh ouais, non, mon biais. Ah, j'étais là. Attends, faut reprendre les bases. On retente. Oui, oui. Oh, c'est presque. Oh, là, on est presque sur quelque chose qui va tomber là, Boucan. Là, Boucan, on y est presque. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Oh non! Putain, j'ai ma montre qui me fait chier. Les amis, ne portez pas de montre en cas de braquage. Allez. Ouh, tu étais presque. Après, je pense que j'ai pas un bon mètre aussi. J'ai un mètre, il est un peu fatigué. Il est pitou, je peux pas l'enlever. Lequel? Le pitou, le rond là, qui, le cercle, le demi-cercle. C'est sur ça que tu dois tirer? Ah, tu peux que pousser. Ouais. Bon, je vais essayer d'aller voir un peu plus haut, ok? Vas-y, essaye. Hein. Hop, 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 hop. Je trace mon chemin. Si t'arrives à prendre une chips, un truc comme ça, peut-être non. Une chips, ça va être compliqué. Compliqué. Hein. Peut-être un Mars. Et même le Mars, en vrai. Attends, c'est super compliqué. Comment tu fais? J'arrive à monter en vrai. Ouais, en vrai, j'arrive à monter. Là, tu vois, les lace là. Ah non, ça va être dur. Oh, c'est super dur, Boucan. Genre, le maître, faudrait qu'il. Alors, je peux pas bouger plus que ça. Je pense que je peux que faire ta canette. Hein. C'est le challenge d'aujourd'hui. Challenge, essayer d'avoir une canette. Tu veux essayer? Je pense que toi tu peux être bon. Attends, je pense que t'as l'âme du voleur. Oh, c'est parce que je suis un gitan. En plus t'as un très beau pulpica, Boucan. Tu as fait comme ça.
Oh là là. Ouais, faut que tu mettes le mètre à l'extérieur, le mètre. Ah, celui-là ? Je t'en sors. Oula, ouais, je pense que j'ai un peu trop misé sur toi pour tes armes de voleur en fait. Un voleur, bon. J'ai dit la fois que je voulais faire ça, c'est un coup des pieds. Allez, boucan. Oh, c'est dur. Allez. En fait, ta technique là, il est. ma technique est pas mal, mais. Tu pousses quoi avec ce doigt? Ouais, tu pousses. Donne tout. Allez. Oh nope. Dommage. Dites-moi pour essayer de braquer le distributeur. Te fais pas chier, je te la paye la canette. What the what? Eh oui. Oh, oh la conne de. Oh, oh. Oh. Allez, oh. Oh, là t'es peut-être sur quelque chose là. Là t'es peut-être sur. Oh, oh, t'es vraiment au bord du gouffre. Boucan, est-ce que c'était un vrai gitan? c'est la mauvaise pub. Est-ce que c'est un gitan dans l'âme d'un mouillé? Je pense que j'avais trouvé la technique. Moi je pensais, ouais, c'est plus rapide de demander un euro à quelqu'un que de demander. Il peut pas nous prendre une boisson. Mais regarde, il supplie ton truc. Allez, t'es vraiment au bord là. T'es au bord du gouffre. Ok les gars, regardez juste à faire ça. Tu fais ça, technique. Et t'as une canette en fait. Genre vous faites pas chier les gars, enfin. Comme ça c'est quand t'es riche, Pierre. Quand tu commences sur le Burry, t'es que t'es riche. C'est vrai. J'ai bien la technique après, ouais, ça te rate ton tour. Hein. Le temps que je suis comme ça, y'a la gendarmerie qui vient et tout. Bonjour monsieur, vous faites quoi? Je suis réparateur. Ah dommage, tu étais. Hein. Franchement, ouais. Quand même, elle y était là. Mais en fait, à partir de là, elle va se plier, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Ouais, ouais. En vrai, là, t'es. Oh. 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 Boucan. Oh. Oh. T'es un vrai gitan. C'est un vrai gitan. Il a réussi. Tu l'as eu. Voilà, tu peux l'avoir maintenant. Les amis, c'est donc vrai, on peut réussir à avoir des produits gratuits avec un mètre. Non, là, franchement, c'est validé. C'est la première fois que tu le fais? La première fois que je le fais, et en plus, non, c'est long. C'est long, c'est très long. À ton tour. Canette gratuite. Je sais pas si je vais réussir. Moi, j'aimerais bien le petit Orangina, tu vois, un petit Orangina là, bien frais. Regarde le petit Orangina qui est là. Je vais y arriver. Tout doucement, en fait. Tu dois pousser doucement. Moi, je l'ai fait doucement. Après aussi, les canettes de Red Bull sont un peu plus petites. Plus fines, ouais. C'est pour ça que j'avais choisi la Red Bull. Vas-y, doucement, doucement. Voilà. Ouais, c'est le bleu du rein. Allez, allez, allez. Oui. Tiens, t'as le Ice Tea qui fait la même gabarit que le Red Bull. Ah bon? Allez, tu peux. Si, là. En fait, faut que tu mets le truc bien au milieu, au centre. Voilà, et là, tu pousses doucement, doucement. Aïe, ça tourne. Oui. Aïe. Ah. Oh là là. Moi, j'y suis à un, ouais, ouais, c'est bon, à un poil. Ouais, ouais, c'est vrai, regardez les amis. Là, il pousse un bon coup, il a. Là. Ah. Allez. Oui. Voilà, c'est bon, tu as eu. Voilà. Voilà, tu l'as eu. Très très bonne. Encore mieux quand c'est gratuit. Bon les amis, là c'était, on va dire, pas assez facile. Mais c'est vrai que c'était facile parce que c'est un vieux distributeur qui n'a pas de clapet anti-retour quoi. Mais si maintenant en essayant sur cette machine là, Boucan, là j'en suis sûr, tu as beau être un gitan, jamais tu le voleras. On va tester. Va tester. Let's go. Là Boucan, je vais te mettre au challenge. Ça veut dire que je vais te mettre une Red Bull. Tu vois cette balle de Red Bull, elle est belle hein. Elle est belle, ouais. Ouh, la Red Bull. Je vais ouvrir ça. Voilà. Je vais te passer la Red Bull ici là, tu vois, elle t'attend. Elle est là pour toi, tu vois, elle est toute seule. Elle attend d'être prise. Maintenant, à ton tour d'avoir cette Red Bull. Cadeau. Alors là les amis, c'est beaucoup plus compliqué, ouais, parce que regardez, ouais, il y a un clapet. Tu as le bras, il est coincé là. Eh ouais, tu peux pas. Non, parce que impossible. Ah non, il y a le fer aussi là. Eh ouais. Ah non, mais vous regardez, vous sentez pas. Mais en fait, il y a un fer qui fait un genre de L. Qui fait un clapet. T'en sors? Non. Comment? Non. Comment? Non. C'est pas possible. Moi j'arrive pas, j'ai peur de bloquer ta machine. Non t'inquiète pas, c'est plus ton bras que tu vas bloquer. La machine tu la bloqueras pas, ça sera plus ton bras qui va rester coincé. Bon bah par contre tu vois un mec qui fait ça dans la rue. Je fais le fil, je cherche le cuivre. C'est pas possible. Non, non, en fait elle passe pas. Et ouais mais regarde en fait, oui. À peine tu pousses, là t'es déjà fermé, ville. La fenêtre que tu as c'est vraiment très court la fenêtre. Et ouais c'est court, court, court. Visez les distributeurs qui a pas de clapet. Qui sont anciens. Impossible qu'on y arrive sur celle-là. Mais peut-être qu'il y aura une autre technique, les amis, marquez-moi en commentaire si vous connaissez une technique. En tout cas, je suis content parce qu'on a réussi à avoir au moins des canettes. Au moins, on peut dire qu'on peut avoir des produits gratuits grâce à un maître. Écoutez, on a quand même vu que c'était possible d'avoir des trucs gratuits. Bon, c'est pas très légal, les amis, hein. Ça prend énormément de temps. Voilà, vous allez vous faire remarquer direct. Oui, c'est vrai. Mais voilà, quoi. En tout cas, marquez-moi en commentaire si vous connaissez cette technique. Mettez un gros pouce bleu, je compte sur vous, ça soutient la chaîne, ça me fait super plaisir. Donc, si tu veux me faire plaisir, laisse un like. Abonne-toi pour voir plus de vidéos. Il va y avoir des trucs cool qui vont arriver. En tout cas, Boucan, t'as kiffé arnaquer un distributeur avec moi? Ah oui. Tant mieux, alors je suis content de t'avoir fait plaisir. Les petits potes, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, à vous abonner. C'était Pika. Peace. Ouh les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne. Je compte sur vous aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos. À vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.